Kibera, le plus grand bidonville d'Afrique. Des centaines de milliers d'habitants en périphérie de Nairobi, la capitale du Kenya. L'un des problèmes ici, c'est le manque de WC. Les habitants partagent des latrines publiques largement insuffisantes. Face à ce défi sanitaire, la société suédoise Peepoople a inventé des sacs faisant office de toilettes individuelles, biodégradables et à usage unique. J'ai commencé à utiliser Pipou il y a 2 ans. Cela m'a beaucoup aidé et c'est bien aussi pour les enfants quand ils ont mal au ventre. Vendu quelques centimes la pièce, les sacs usagés doivent être rapportés par les utilisateurs qui empochent 1 centime. Leur contenu, une fois décomposé, est revendu comme engrais. Cette école de Kibera est un des 60 établissements scolaires au Kenya à bénéficier des projets Pipou. Plusieurs toilettes y ont été installées et cela a eu un impact positif d'après les élèves. Ça a fait baisser le nombre d'enfants qui ne venaient pas à l'école, le taux de présence augmente et ça a aussi fait reculer le nombre de toilettes volantes. Toilettes volantes, c'est l'expression pour désigner le fait de faire ses besoins dans des sacs en plastique jetés ensuite dans la rue. Peepoople a été lancée ici en 2010 pour réduire cette pratique. L'organisation récupère 5000 sacs par jour à Kibera et espère atteindre rapidement les 40 000 sacs. Le manque d'installations sanitaires est un problème majeur dans le monde. 40% de la population mondiale n'a pas de toilettes. Et 70% des maladies sont dues au manque de sanitaires, car cela pollue l'eau. Selon l'ONU, un enfant meurt toutes les 15 secondes des conséquences de ses problèmes d'hygiène. Au-delà des bidonvilles, Peepoople espère aussi devenir utile dans des cas de crise humanitaire, quand les populations affectées font face à d'importants risques d'épidémie.